Hey, salut tout le monde et on se retrouve à Weissbound où c'est la merde. C'est la méga merde. Donc on avait bougé tout le bordel, il nous restait juste à gérer Torox avec les deux guignols. L'avantage c'est que j'ai le bonus qui est encore valide, plus 5 d'attaque en mêlée, ça c'est bon. J'ai une petite technologie, j'ai regardé, je vais me faire la domination du monde pour avoir le risque initial d'échec moins 25%. Et ça, c'est une bonne chose. Et maintenant, place à la baston. Place à Torox. Attaque éclair, voilà. Alors ça, c'est une bonne chose. Oh putain, ouais, heureusement, parce que je pouvais pas compter sur la garnison en plus. Hein. Victoire à la Pyrrhus. Victoire à la Pyrrhus, mais... je ne perds personne. Est-ce que ça vaudrait le coup de la faire ou pas? Perte moyenne. Est-ce que je m'en sortirais pas mieux si je faisais moins l'attaque? Je pense que je vais me faire moins l'attaque. Parce que avec les Centigores, avec les Minotaures, tous les tireurs, il y a moyen de les calmer. J'ai de l'anti-large pour la cavalerie. Et le Gorgon plus la ligne, je devrais pouvoir m'en sortir, même si c'est des joueurs d'épée, c'est quand même assez balèze. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus le Gorgon, plus le Minotaur, plus Torox, plus le sorcier qui est sur les chariots et que je vais pouvoir envoyer dans les archers. Voilà, ça c'est à pas négliger. Je pense que je devrais pouvoir bien m'en sortir. Et la résistance ultime de Torox que je vais envoyer en tête. Alors, c'est parti pour la défense de Weissbound contre Volkmar le Sévère. Voilà, c'est parti. Torox face aux armées de l'Empire. Torox qui est en train de voir qu'on lui fonce sur la gueule. Et du coup, Torox, il perd pas de temps. Torox, il a clairement pas le time. Il va foncer, voilà. Parce que sinon, les tireurs, ils vont se mettre en position et ça va être la méga merde. D'ailleurs, je pense quand même que tout le monde va foncer. Vous, vous êtes gentil, vous allez là-bas. Vous, vous êtes gentil. Allez, chopez-moi cette merde. Allez, Torox, c'est le moment de s'illustrer. Hop, voilà, qu'est-ce qu'on a là? Oui, tiens, allez, toi. Ah oui, c'est pas mal. Tiens, dans les tireurs tout ça, dans les tireurs. Dans les tireurs tout ça. Tiens, là-dedans. Voilà. C'est pas mal. Les archers. Oh là 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 là. Oh là là. Il y a eu un petit couac là. Là on a eu un petit bug là. On a eu. Hop, c'est bon. Alors, toi, t'es gentil. Tu me mets là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit sort là. Allez, un petit sort là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Non, non, non. Maintenant qu'il y a les Minotaures, ça sert plus à rien. Là. Vous là. Vous me les foncez là-dedans. Torox, il s'amuse bien, c'est bon. Le Gorgon. Viens là-dedans, le Gorgon. Allez. Ah, je me fais atomiser. Putain, mais oh, ils sont chauds, hein. Eux, là. Là-dedans. Toi, là. Tu me fonces moi là-dedans, toi. Oh là. Putain, les nombres de tireurs. Oh, ils me mettent tellement mal au niveau des tirs, là. Putain, je suis con. J'ai le... Balance-moi un truc là-dedans. Torox, il est où? Torox, vas-y, calme-moi, calme-le-moi le Volkmar le Sévère là. Tiens, atomise-le-moi. Tiens, on va même lui balancer le Gorgon sur le nez. On va lui faire du bien, tiens. Les tireurs. Oh, les tireurs, ils se font tellement mettre mal. Vous, foncez là-dedans. Toi, tiens, hop, allez, vas-y, là-dedans. Le Sigor. Oui, balance-moi le Sigor. Allez. Je sais pas ce qui se passe là-bas, mais. Oh, c'est la merde là. Oui, allez, hop, voilà, allez. Vous, Volkmar, il va disparaître.
Tiens, chope-moi cela. La ligne, elle est en train de s'écrouler. Là-dessus, les gars, là-dessus. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne fais pas énormément de zoom. Oh oui. Oh oui, les chevaliers dans le Gorgon, c'est une très bonne idée, ça. Hop, hop. On est pas mal, là. Là, on est pas mal. Je crois même que c'est remporté. Voilà. Vous, allez, foncez-moi là-dedans. Toi, tu m'atomises tout ça. Toi, tu avances. Putain, mais c'est quoi c'est, ah, c'est les joueurs d'épée de renom, non? Ah bah voilà. Voilà. Wouah, 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 Volkmar, il s'enfuit. Il est à pied ou il est à cheval? Non, il est à cheval. Eh bah, écoutez. Voilà. Ça, c'est une bonne chose de fait. Les archers, ils sont où? Je vais essayer d'anéantir le plus d'ennemis. Pour passer ensuite sur l'armée de Karl Franz, putain. Oh, j'ai les hardes de gore, là, ils se sont fait atomiser la gueule. Oh là là, les minotaures, les bestigores, les magiciens. Bon, par contre, oh, j'ai perdu, eh oui. C'est l'unité de gore qui s'est mangée la charge de cavalerie en plein dans le nez, forcément. Ils ont pas fait long feu, c'est dommage, ils étaient rang 5. Mais bon, c'est pas grave, puisque je peux recruter maintenant les bestigores de renom. Alors... on va les bouffer, les prisonniers. Voilà. Hop. Et maintenant, alors, vu que il y a un coup à jouer là. Là, je peux péter. Rituel disponible. Ah, bah oui, parce que forcément, là, je les mets tellement mal. J'ai vaincu Volkmar, ça c'est bon. Alors, Torox. Torox, tu vas me prendre les bestigores de renom. Le petit Minotaur. Je vais lui mettre un amocheur, évidemment. Et là, maintenant... parce qu'en fait, il y a le moins... Là, il y a un coup à jouer, là. Là, je peux éclater Karl Franz. Là, je peux éclater Karl Franz. Le truc, c'est... est-ce que je peux le faire avec... avec mon armée aussi affaiblie? On peut le tenter, sachant que... ouais, là, il pourra pas fuir. J'aurai... ouais, la garnison, mais la garnison, on s'en cogne. Ça se tente ou pas? Victoire à la Pyrrhus. Je perds les hardes de gore. Est-ce que... ouais, bon, la garnison, hein. Tu sais quoi, je vais faire l'attaque éclair parce que... ouais, quoi que non. Allez, tiens, la garnison. On va envoyer... on va les envoyer mourir. Oh, oh, c'est en embuscade en plus. C'est en embuscade en plus, c'est magnifique. Eh bien, écoutez, nous allons assister à ce duel au sommet. Torox, le taureau des reins contre l'empereur Karl Franz que je vais... atomiser! Embuscade! Ouais, déjà tu commences, tu me fais le cigare, t'es gentil. Embuscade! Alors... oh putain, merde, je vais avoir les renforts qui font chier là. Tiens, allez. Venez là. Le cigare! Tire-moi dans le tas! Non, tire là-dedans, allez. Le... il est où mon magicien dans le bordel là? Mon magicien! Là-dedans! Oh putain, il y en a une qui passait là. En plus, j'ai envoyé. C'est bien parce que j'ai envoyé. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Voilà. Hop. J'ai totalement envoyé toutes les bébêtes dans les albardiers lanciers. Mais bon, on s'en fout, ça fait plutôt bien le café à ce que je peux voir. Les gars, on s'amuse bien à ce que je vois. Allez, défoncez-moi tout ça. Voilà, c'est réglé. Voilà, emballé, c'est pesé, c'est plié. Karl Franz, il est où? Il est où Karl Franz? Il est où Karl Franz? Où est Karl Franz? Chopez l'empereur. Où est l'empereur? L'empereur, il est là. Chope l'empereur. Oh putain, il va falloir que je gère le bordel là. Parce que là, c'est infâme. Je comprends plus rien. Bon, alors attendez, hop. Petite pause parce que sinon je perds trop de temps. Vous me déchirez tout ça. Putain, là-dedans je t'ai dit. Là-dedans je t'ai dit. Voilà, les archers là. Allez, éclate-moi tout ça là. Je veux pas de fuyard. Le taureau là-dedans. Les minotaures, les minotaures, les minotaures. Les fuyards, très bien ça. Les minotaures, les fuyards, très bon ça. Et là on est où? Tiens, pareil, vous me chopez les fuyards.
Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, allez. On essaie de choper les fuyards parce que. Ben, j'ai pas envie en gros de. J'ai envie d'éclater. Ah, mais tu me diras! Il est en marche forcée! J'ai pas besoin de le poursuivre! J'ai pas besoin de le poursuivre! C'est vrai! Vu qu'il est en marche forcée, là, normalement, il. Il est éclataxe pour de bon! Et voilà! Allez! On les bouffe! On les tue! Et c'est parfait! Oh, le masque de terrifiant de. Ah! Provoque la peur, la terreur, comme si c'était pas déjà le cas. Provoque la terreur en combat contre l'Empire. Et bah oui, j'ai pas besoin du masque du coup, parce que j'ai battu Karl Franz. Et maintenant, est-ce que j'irai pas défoncer la gueule pour de bon à Volkmar? Est-ce que j'irai pas faire ça? Qu'est-ce qu'on peut faire là? L'aura du commandement, plus 25. Rage bestiale. Portée de déplacement, autodéfense, rang de recrutement. C'est pas mal ça. Mais est-ce que je le spécialiserai pas un petit peu dans la baston là? Parce que. Torox, là, il faut qu'il tape un peu maintenant, là. Allez, on va le mettre un peu dans la baston. Torox, voilà. Toi. Bon, tiens, les petites résistances à la magie. Toi, on en est où? Amocheur. Défense en mêlée, c'est pas mal. Défense en mêlée, on va lui mettre la défense. Voilà, et ben. Oh, on est bon, là. Eh, franchement, Torox. Torox qui s'est sorti, pardon, de ce guépier. Là maintenant, je vais aller l'atomiser ce trou du cul. Victoire décisive. Bon, allez, vas-y. Voilà, il peut plus rien me faire. On le finit. On bouffe. Weismund. Est-ce que le bâtiment. Non, le bâtiment sera fait au prochain tour. Est-ce que j'irai pas. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire Middenheim avec ces gus-là. Et peut-être même redescendre sur la fosse noire. Torox, lui, va aller vers Midenstag. Je sécurise ici. Ou alors. Ou alors. Et Aldorf. Aldorf, il n'y a pas tant de terre de sang que ça, j'ai l'impression. Hein. Parce que regardez, il y a une douille. En fait, quand on. Pour voir la Terre de Sang, c'est pratique parce que quand on clique sur une ville, on peut voir les villes qui sont dans la Terre de Sang, même si on ne les a pas découvertes. Et on peut voir sur Marianbourg, et ben j'ai tout ça. Pourtant, je ne les ai pas découvertes. Aldorf, quand je clique dessus, y a rien. Il n'y a rien. Alors est-ce que ça vaudrait pas le coup, plutôt qu'avec Torox, je pousse vers Carrobourg et Aldorf? Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en campement, voilà, histoire de se régénérer. Torox, tu me mets une attaque en mêlée. Quoique non, il a combien d'attaques en mêlée? 67. Ouais, allez, vas-y. De l'attaque en mêlée. On va faire ça, voilà. Ça, c'est pourquoi? Pour avoir les Centigores H2G. Ouais, bof, ça m'intéresse pas pour le moment. Je vais rester là, je vais attaquer Carrobourg. Ou peut-être même encore pire, je vais me foutre sous leur pif, là, comme ça, là. Comme ça. Est-ce que peut-être avec de la chance, 12%, 80% d'embuscade. Avec de la chance. Voilà. Avec de la chance, je peux enchaîner Carrobourg et Aldorf. J'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Mais avec de la chance, je peux enchaîner les deux. Voilà. Et avec les deux gus là, je me fais Middenheim. Et après, je me split. Je me sépare et je fais Fosse Noire et Midenstag. Et après, je fais le rituel. Voilà. Ça. C'est un bon plan, je trouve. C'est un très très bon plan. Et ben, on s'en est bien sorti. Hein. Ok. Les elfes qui viennent me casser les couilles. Oh, bah, tu vois, la fosse noire. Oh, mais il y a une armée à la fosse noire, au fait. Va falloir que je fasse l'idiot à la fosse noire, là. Alors, toi, tu vas venir ici. Et en plus, l'Empire se tape une guerre contre. Comment il s'appelle? Les mille gueules là, je sais plus comment il s'appelle là, le type il est ici là. Il est où? C'est lui là. Comment il s'appelle celui-là déjà? Rakarth, voilà, Rakarth. Est-ce que Rakarth on peut faire un peu de. Non, il ne veut pas. Est-ce que les. Voilà, lui là. Wulfric, oh bah. Oh bah. Oh bah, Wulfric! Ah, ils ne veulent pas. Putain, je pouvais faire une alliance militaire, une alliance défensive, et là, ils ne veulent plus. Ils se foutent de ma gueule ou comment ça se passe là?
Les Björnlings. Une alliance défensive. Contre 220. Allez. Ah mais attends. Parce que si Wulfric il attaque les Björnlings. Non non non, on va pas faire ça. Mauvaise idée. Mauvaise idée parce que si jamais les Björnlings avec ouais, ils s'entendent moyenne parce que moi je le but c'est de faire une alliance avec Wulfric, pas les sous-fifs qui vont se faire confédérer. Donc nous disions que je dois attaquer Middenheim. Victoire décisive, je ne perds personne, j'ai pas envie de m'emmerder. Clairement, j'ai pas envie de me faire chier, donc voilà. Ouais, j'ai pas perdu tant de troupes que ça, on rase. Tac. Boule de feu. Une boule de feu. Une boule de feu. Où c'est que je peux mettre la boule de feu? Qui c'est qui a... Non, 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 la boule de feu... Tu vas me la mettre sur Morgur. Oh mais attends. Oh mais attends. Oh mais attends, j'ai... Oh le con. Oh j'étais bête, j'ai oublié de faire ça. Lui là, je peux le remplacer par mon magicien là. Par lui. Voilà. Et donc lui, je peux lui mettre la boule de feu. Il est où? La boule de feu. Voilà. Boule de feu. Ouais, tout le bordel, je gérerai plus tard. On gère ça plus tard. Toi, tu viens te mettre à côté. Putain, dommage. Ça, c'est con parce qu'avec la bataille, lui, il aurait pris un niveau, quoi. Lui, il aurait clairement pris un niveau. Il serait devenu niveau 3. Bon, c'est pas grave. Morgur. Morgur, Morgur. Qu'est-ce qu'on va lui mettre, Morgur? Morgur, attaque éclair, évidemment. Voilà. Hop. Allez, enfin, attaque éclair pour Morgur. C'est réglé. Là, on va récupérer des troupes. Et on va se laisser là. Et à mon avis, est-ce que je peux... Non, on va pas se laisser là. Immortalité, évidemment. On ne va pas se laisser là. On a un carrebourg à péter. Hop. Ça, c'est réglé. Au revoir, monsieur, dame. Raser. Oh, raser et avancer. Oh, dis-moi que... Oh oui, j'ai la portée. J'ai la portée. Eh ben, écoutez. Nous allons nous mettre un petit niveau. La haine des hommes, toujours. Le Minotaure. On va lui mettre de la... De l'immortalité. Et nous allons attaquer Altdorf. Altdorf himself. Enfin, ça veut rien dire parce que c'est en personne, mais bon. Par contre, belle garnison Altdorf. 5 hein. Tours avant qu'il ne commence à clamser. 5 tours, c'est peut-être un peu trop. Putain, je pense... Eh, franchement, je pensais pas me retrouver devant Altdorf aussi vite. Hein. Vraiment, je pensais pouvoir passer un peu de temps à Kislev, puis aller taper un petit peu les vampires, puis revenir sur Altdorf. Ben là, non, j'ai fait tout droit de Terschaffen vers Altdorf. Eh ben, écoutez, on va se laisser là, et au prochain épisode, nous ferons la suite de la conquête de l'Empire. Et la conquête d'Altdorf. On se laisse là. Et au prochain épisode. Ciao tout le monde.